Raphaël Pépin a-t-il couché avec Magali Berda? On a la réponse. Raphaël Pépin a répondu aux rumeurs de coucherie le concernant ainsi que Magali Berda sur les réseaux sociaux. Attention, révélation. Il semblerait que la guerre commence entre certains candidats qui se liguent à Kabab contre Magali Berda. Et c'est le cas d'Anne Camizuli qui la clash à elle sur Snapchat. Toutefois, d'autres éclaircissent la situation de leur côté. Mais ce n'est pas la seule. Le motif? Le chéri de Tiffany de Koh-Lanta aurait couché avec son ancien agent. Notamment Raphaël Pépin. Pour le moment, Magali Berda ne s'exprime pas à ce sujet. Raphaël Pépin répond enfin aux rumeurs de coucherie, mais alors qui dit vrai? Celui qui s'est excusé envers trois femmes donne la réponse sur Snapchat. Raphaël Pépin déclare, « Il y a des bruits qui courent comme quoi j'aurais couché avec mon ancienne manageuse. Je ne suis plus chez elle, d'accord. Alors, je la respecte malgré tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne couche pas pour de l'argent. Je ne suis pas une faute, ça je vous le garantis. Donc croyez-moi bien que je n'ai jamais couché avec elle. Mais ce n'est pas tout. » Raphaël Pépin, qui est manipulé selon Céline, poursuit, « Vous pouvez m'accuser de tout, mais je n'ai jamais couché avec elle. Voilà, je tiens à vous le dire, désolé pour le coup de gueule. Et que j'ai quitté ou pas Shona Evan, elle m'a quand même bien aidé. Maintenant je suis chez Vevan, je suis très bien ici, mais voilà, bon courage quand même à Shona Evan. » Eh bien voilà qui a le mérite d'être clair. En tout cas, cette histoire intrigue de plus en plus. D'autant plus qu'Akabab vient de présenter ses excuses à la principale concernée. La hache de guerre et la vérité vont-elles l'emporter? D'ailleurs, l'agent des candidats de télé-réalité a reçu le soutien de Bastien Grimal. Surtout lorsque l'on sait que c'est parti loin entre eux. Une réaction qui a beaucoup surpris.